Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le darija marocain et s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo consacrée aux politesses en arabe marocain que j'ai intitulée Fik Swab, c'est-à-dire tu es poli. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à demander pardon, et également à dire c'est pas grave, voilà, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors tout d'abord, pour demander pardon, pour dire pardonnez-moi, excusez-moi, on va dire smah liya. Smah liya, smah liya, si on s'adresse à un homme. Si on s'adresse à une femme, on va dire semhiliya, semhiliya, semhiliya. Et si on s'adresse à plusieurs personnes, on va dire semholiya, semholiya, semholiya. Donc smahliya, pardon si on s'adresse à un homme. Semhilia, pardon si on s'adresse à une femme. Semholia, excusez-moi. Donc on s'adresse à plusieurs personnes. Par exemple, on pourra dire Semhilia ma cheftekch. Semhilia ma cheftekch. Semhilia ma cheftekch. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Alors, quand quelqu'un nous demande pardon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut lui répondre pour lui dire, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux lui dire, ma kain mouchkil, ou bien ma kench mouchkil, mais c'est plutôt ma kain mouchkil, c'est pas grave. Tu peux lui dire aussi, machi mouchkil, machi mouchkil, donc toujours, ce n'est pas grave. Ma kain baisse, ma kain baisse. Ma kain baisse, il n'y a pas de souci. Tu peux lui dire aussi moussamaha, 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 c'est-à-dire je te pardonne. Et enfin, tu pourras dire aussi, bon, ça dépend dans le contexte, par exemple, si c'est dans la rue, comme ça, tu l'utiliseras pas forcément. Si par exemple, tu as bousculé une personne dans la rue, tu vas pas dire maalich. Maalich, on peut dire donc maalich, ça veut dire ça n'est pas grave, maalich. Mais dans ce cas-là, tu pourras dire, c'est plutôt, par exemple, tu dis à quelqu'un, excuse-moi, j'ai oublié de te rapporter tel livre. Et la personne va te dire, mais Alish, machi mouchkil. Donc voilà, c'est pas grave. Par contre, dans la rue, si quelqu'un te bouscule, donc elle va te dire, semhilia, et tu vas plutôt dire, machi mouchkil, ma kain bess, ma kain mouchkil, ou bien moussamaha. D'accord? Donc, mais Alish, ça sera pas pour ce cas-là. Et enfin, si tu veux laisser passer une personne, par exemple, voilà, t'es dans la rue et faut que quelqu'un laisse passer l'autre, quoi, par politesse. Donc dans ce cas-là, tu diras tfaddal, 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 si tu t'adresses à un homme. C'est-à-dire, ben, vas-y, je t'en prie, vas-y, passe, tfaddal, passe, je t'en prie. Tfaddli, tfaddli. Fadli, c'est-à-dire je t'en prie, donc passe. Des fois aussi, si quelqu'un, si on veut, si on a des invités et qu'on veut qu'ils s'assoient, on va leur dire tfadlo, tfadlo, tfadlo. Donc dans ce cas-là, ils vont comprendre et qu'ils peuvent s'asseoir. Donc ils vont s'asseoir. Donc tfadl, c'est voilà, ça peut avoir plusieurs sens. C'est pour, par exemple, laisser passer quelqu'un à qui on donne la priorité. Dire à quelqu'un de s'asseoir, voilà, ça dépend en fait du contexte. Donc voilà pour demander pardon et puis pour dire c'est pas grave, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si jamais tu as une question, tu me la poses en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Merci beaucoup pour ton attention et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Slama, bye bye!